Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit essai de mes nouveaux decks que j'essaye de construire sur Disney Lorcana bien sûr. Donc on va pouvoir encore s'entraîner sur Pixelborn pour le moment avant le 16 juin, donc on en profite. Après ça va être plus compliqué d'essayer les idées de deck qu'on a. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par un deck que j'ai nommé Diablo, qui est émeraude améthyste, et puis on va voir ce que ça donne. On va aller jouer dans le lab, hein, c'est pour essayer, de toute façon, allons-y. Alors je les ai créés d'hier, donc on va faire des essais, hein, c'est pas encore au point. Là, avant de filmer, j'ai fait un essai et j'ai perdu 17 à 20, avec Diablo justement, avec ce deck-là. Donc en espérant que ça soit mieux. Alors, en plus on tombe sur Améthyste Ruby. Bon. Et on joue deuxième. Bon, bah c'est pas gagné. Hein. Alors, j'ai des Pégases. J'ai un tour 1, tour 2. Ouais, non. Je vais enlever ça. Je vais garder mon 1, mon 2. Je vais dégager tout le monde. Par contre, j'ai mis le lieu, la crypte cachée, qui amène un de force et un de volonté de plus. Eh ben, c'est pas génial, hein. Non, ouais, en plus, on n'a pas de bol. Bah, écoutez, on va voir. Hein. Alors, il nous joue les adeptes. Alors, moi, je vais dégager, je pense, une chèvre. Pour jouer la crypte. J'aurais bien aimé avoir, j'ai mis le petit Pégase insaisissable à 1, hein, j'aurais bien aimé l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Eh ben, il attaque mon lieu, d'accord. Alors, il ancre une 6 sous pour jouer à nouveau les adeptes. Bon, ben, il veut piocher, le gars. Alors, je pense qu'on va dégager mes amis de l'au-delà. On va mettre un Bucky. J'ai même pas le Diablo, donc comme ça c'est fait. Ça s'engage mal. Il va me dégager mon lieu, c'est sûr. Alors, il ancre bagarre. Non, il va piocher. Il met un renard. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ouais, donc il a bousillé mon lieu. Ouais, bah, ça s'engage très mal. La partie de tout à l'heure, c'était mieux le début. Hein. Après, on fait des tests. C'est pas bien grave. Alors. Ah, le Diablo. Je crois que je vais dégager elle. Je mets mon petit Diablo. Ok, Floodborn. Comme ça, je vais le faire défausser. Il avait Soyez prête. Déjà en main, départ. Bon. Alors, après, est-ce que je fais Prince Jean? Il met bagarre. Oh la vache, il pousse mon Diablo. Oui, on est mal. Ok, il or, il ancre, et il va rejouer un adepte. Non. Ah, j'ai un autre Diablo, c'est pas mal. S'il a pas bagarre, c'est cool. Est-ce que je lui dégage sa mime? Je crois. On va lui dégager mime. Avec une mime. Je vais renvoyer mon Bucky et je vais lui taper ça. Ce qui me fatigue. Et je crois. Je crois qu'on va ancrer un château. Comme ça, je suis à 4. Je peux rejouer Diablo ou alors je mets un lapin. Eh ben, il met un lapin, justement. C'est pas con. Alors, est-ce que je fais pareil? Il ancre un crabe.
Je crois qu'on va faire pareil. On va mettre un lapin. J'aurais bien gardé Pégase, fait chier. On va le faire défausser. Donc on va ancrer Pégase. De toute façon, j'en ai deux autres dans le deck, je crois. Et on va jouer les ondins avec. Et après, j'aimerais bien mettre ma tripotée là, que j'ai en main, le Bucky, le Diabo et le Prince. Je peux mettre Bucky, Diablo et le Prince au tour d'après, logiquement. Il faudrait une ancre. Ce serait bien que je pioche un truc ancrable. Alors. Ah ben, un château, super. Alors, on va ancrer le château. Je sais pas si je fais bien, on verra. Je vais jouer un Bucky. Et je vais jouer un Diablo. Du coup, il va défausser. S'il veut bien. Ok, il défausse ça. Et moi, je vais l'aurai avec les deux autres. De toute façon, il peut pas me tuer tout le monde. Ok, on revient dans la partie. 3 à 4. De l'or. Alors, oh non, putain, il joue une Médusa, il m'enlève le Diablo. Mais ouais, putain, sans déconner, il a déjà 6, je suis con, c'est un rouge. Je pense que s'il me dégage le lapin avec la mime, je vais pouvoir piocher. Il ancre un Maui. Alors, il va dégager les ondins et sacrifier mime ou il dégage. Ouais, il va dégager le lapin, c'était sûr. Comme ça, je pioche, c'est pas mal. Ça me va. Et j'ai Maléfique, je vais repiocher par-dessus. C'est pas mal. Ah! La crique. Je crois que je vais jouer ça. 3. Et 3. Et je pioche. Je vais garder ma main, je vais juste l'aurai avec les ondins. Alors, il a soyez prête ou pas? Il joue Flynn. Et il pioche avec un lapin, donc ça veut dire qu'il a pas soyez prête là. Peut-être maintenant, mais il la jouera qu'au tour d'après, ça nous laisse un tour. Pour l'aurait avec tout le monde. Ouah, je vais jouer Médusa de toute façon. Ursula, pardon, je me mélange tout le monde. Alors, tu sacrifies Médusa ou pas? Ou Mime Renard? Un roi incontesté. Chaque cavalier choisi est banni un de ses persos. Bon, on va bannir elle. Elle a fait son job, elle m'a fait piocher. Ok, tu sacrifies Mime Renard. Pourquoi elle n'est pas sacrifiée? Ah oui, non, ça fait défausser, je suis con. Je pense que ça dégage vu qu'il a pas soyez prêtre en main. Je suis à 7, je peux tout jouer. Je vais jouer elle. Et je vais jouer ça. Et du coup, lui. Et lui, il me l'a. Et voilà, je crois. On verra. Bon, là, il va prendre de l'avance, c'est sûr. Et il a le château en plus, super. Bon, je suis vert-violet. Je peux pas lui dégager son château, ça fait chier. Ça fait chier. Et il met tout le monde dessus, ça veut dire qu'il va piocher 4 cartes plus sa carte de début de tour. Ok. Bon, elle, elle va alors. Ah bah, elle sert à rien, elle si alors en plus, fait chier. Qui je peux lui dégager? Il a incliné personne. 6. Je peux même pas lui dégager le château. Je vais faire ça.
Cette carte-là, elle me sert à rien. On va l'ancrer. Et je pense que... je l'aurai avec tout le monde, on verra ce qui se passe. De toute façon, je suis mal embarqué dans cette partie, donc autant l'aurai. Allez, logiquement, il va me dégager toutes mes créatures et peut-être même le lieu. Non, il peut peut-être pas tout non plus. Eh mais il se gave. Et remets un Flynn. Alors, vas-y, tue-moi tout le monde. Et mets une chèvre. Et bah, comme ça. Ça, c'est de la partie. Alors. Bon, il va piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et bah, dis donc. Oh, il fait personne. Bon, oh, moi, je joue Pégase. Pégase insaisissable, tout le monde, allez. Et logiquement, il gagne. Voilà. Moi, je pioche. Alors, déjà, on va le faire défausser. Bah oui, moi, je pioche. Je crois que je vais mettre les ondes. De toute façon, on a perdu, je crois. 2. 3. Et on va mettre tout le monde dessus, mais on a perdu. Voilà, et on va ancrer la renard, il a gagné. Il a gagné, on gagne au tour d'après parce que là il prend 2 avec le lieu, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et il lui faut 7 donc il a gagné. Well play, bien joué. C'était quand même serré. Et puis il a bien joué parce qu'il a dégagé mon Diablo donc c'est cool. Il l'a dégagé 2 fois en plus. Oh, voilà, c'est chiant ça. Le Flynn, il fait quoi? Le Flynn, au début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une force supérieure à celle de chaque personnage adverse, gagnez 3 lore. Ah bah oui, bah voilà, il gagne avec les Flynn déjà. C'est fort. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, on va s'en refaire une avec Diablo. On va attendre 2 secondes pour pas tomber sur le même. Bon, après, là, il a bien joué parce qu'il a dégagé mes 2 Diablos rapidement. J'ai pas eu mon petit Pégase à 1. Comme ça, j'aurais altéré l'autre. Ouais, ça aurait été pas mal. Malheureusement, on n'a pas eu un bon tirage en espérant que ce soit mieux. Bah, écoutez, on va réessayer. Et après, on fera 2 parties avec mon deck Sissou et 2 parties avec mon deck héros. Le Sissou, c'est bleu-rouge, rubis-saphir et le héros que j'ai créé, j'aurais donné des noms, c'est ambre-acier, jaune-gris. On verra bien ce que ça donne, mais... Alors, ah, on tombe sur un gris-violet, bon... Ils vont faire des baboum, etc. Bon, on a Diablo. La chef, je vais la dégager. Tous ceux à 4, je les dégage. La renard aussi. Ouais. Je vais essayer de garder. Je vais l'enlever aussi. On va tout dégager en espérant avoir mieux. Je vais juste garder Diablo. J'ai vraiment pas de bol. Ah, Bucky, une chèvre. Lui, les ondins. Ok, bon, c'est pas si mal. Il y a mieux, mais j'ai pas de petit Pégase. Mais j'ai pas le gros, donc c'est pas très grave. Alors, il met Robin, donc il va jouer Robin. Je vais dégager un crabe pour jouer, je crois, les ondins.
Après, je vais jouer la crique et je vais mettre les ondins dessus. On va faire Cusco plus Bucky. Triton. Oh la vache, le salaud. Ok, bien joué. Ah bah oui, je joue gris, je suis con. Putain, j'aurais dû faire le lieu d'abord. Ok. Grimoire, c'est un peu... Ouais, ça peut être intéressant. Mais... Alors, 2, je crois que je vais... Il a hors d'atteindre, donc on va mettre Bucky. Tour 3, je fais le corbeau, Diablo. Tour 4... ouais, tour 4, la crique et le grimoire, je pense. Ok, Elsa, je sais plus ce qu'elle fait. Elle fait quoi, Elsa? Choisissez un personnage vert, c'est épuisez-le. Ah oh, non, c'est pas gentil ça. Ils vont me dégager Bucky, donc je pense qu'on va faire tout de suite. On va dégager une chèvre. Et on va faire tout de suite le Diablo pour le faire défausser. Ouais. Au moins d'une carte. Parce qu'il va me tuer Bucky au tour d'après. J'ai toujours pas commencé à l'oreille. Je crois qu'on... On va l'oreille avec Bucky parce qu'il va me l'épuiser. Choisis un personnage adverse, épuisez-le. Ouais, je vais faire ça. Voilà. De toute façon, il me l'aurait tué. Alors, il met l'autre. Elle fait quoi celle-là, la Elsa là? Choisissez un personnage qui gagne offensive et charge pour le reste du tour. D'accord. Ok, c'était sûr. Alors, est-ce que je regarde sa main. Il joue gris. Non, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais en créer elle. Et lui, il a. Et du coup. Ah merde, j'aurais dû le mettre là. Mais quelle conne, putain. Quelle conne, s'il a baboum. Je me suis suicidé, mon Diablo. Bon, il ancre et il joue Jafar. Cool. J'aime bien Jafar. Ok. Il a pas. Donc c'est pas mal. Faut que je mette absolument mon Diablo sur la crique. Tu veux pas me faire piocher? Ah si. C'était sûr. Ah les ondins, pas mal. Est-ce que je le mets dessus du coup? Je sais pas trop. Ok, je pense qu'on va dégager elle. Pour faire un bouquin. Ça. On va faire ça. Et on va faire... Je pense que c'est pas mal. Après, on pourra mettre Pégase. Mais c'est dommage qu'on ait pas le petit pour le mettre en alter. C'est chiant. Pourtant, j'en ai mis quelques-uns des petits. Ah ouais, d'accord. 1, 2. Allez, un petit Pégase. Oui, un petit Pégase, super. Donc, on va mettre petit Pégase. Et gros. Parce qu'il est alter 3. Oui. Bon, au moins, on aura fait le gameplay du petit Pégase. C'est déjà pas mal.
Alors, la question est, est-ce que tu me laisses les ondins ou tu te défausses une carte? Bon, tu dégages le lieu. Ça, c'était sûr, c'est pour ça que j'ai pas utilisé ce lieu. Et donc, tu vires tes ondins? Non, d'accord, tu vas piocher avec la fée bleue. Ok. Alors, crochet. Oh, crochet, sur crochet. C'est qui, lui? Trois ou moins ne peuvent pas défier. Ouais. Ah, re gros Pégase. Je pense qu'après, je vais ancrer. Non, purée, qu'il est chiant. J'allais mettre mes deux Pégases. Oh, purée, c'est quoi tout ça? Ah, bah voilà, je vais pouvoir quand même le faire. Tout ce que j'ai comme carte. C'est abusé. Et ben avec ça, les gars. Alors du coup, je pense. Je pense qu'on va dégager un couscous. Ah merde, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Je pense qu'après on dégage un Cusco, on joue un Diablo. Ok, m'enlever ça. Pas grave. C'est pas mal. Alors réfléchissons. Je pense. Qu'on va dégager Cusco. Après tout, on n'est pas si pressé. Hein. On va jouer. J'ai 6. On va jouer Bucky. Il me reste 4. Je crois que je vais remettre un Diablo. Il va défausser. Et ensuite, il me reste un, je vais mettre un Pégase. Voilà. Après, je peux mettre ah putain, mais non, j'ai pas de gros Pégase. Fais chier, j'avais zappé. J'ai pas de gros Pégase, les gars, c'est chiant. Je voulais le mettre comme ça, tout le monde est insaisissable. Ça fait chier. J'ai que des petits, j'avais pas fait gaffe. Je croyais que j'avais un grand. Par contre, on peut faire. Oh la vache, par contre, il met à balle de créature. 1, 2, 3. Faut faire gaffe quand même. Là. Je pense qu'on va mettre une Creek, un Flynn. Ouais. Ça craint, il est déjà à 12. Non, 11. Ok. Alors, déjà. Lui, et lui, ils vont l'aurer. On va mettre un château, je crois. Là, j'ai pas. Ah si, j'en ai un. Je sais plus quoi mettre, moi, force. Ou alors, je mets que des petits. Je pense que je vais mettre lui. Je vais mettre lui. Je vais mettre. Il reste 3. Je mettrais bien ça. Non. Elle. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi il bug comme ça. Je vais dégager une crique, je crois. Je crois qu'il gagne. Je crois que j'ai mis trop de temps.
Il est chiant ce truc là. Ça me cache toute la vue. Il y a le... Je suis désolée, il y a le... Le Daisy qui a bugué, hein. Ah, ça y est. J'ai réussi à l'enlever. Alors, 1, 2, 3... Non, pas rêve bleu. Je prends 14 cartes. Oh la vache. 14 cartes avec mes dieux Diablo, là, c'est une horreur. Eh ben, on n'est pas quitte. Il veut me le faire à la mule, et c'est pas possible. C'est à la mule qu'il me le fait. Ça se trouve, je vais perdre comme ça. En vidéo, ce serait marrant. Non, mais j'ai même plus de place. Il me reste combien de cartes? Ah, je vois pas. Zéro. Oh la vache, non. Je vais perdre. Ah, c'est à moi. Défaite. Ah bah oui, je pouvais pas piocher. Purée, il m'a tué à la meule. C'est énorme. C'est la première fois que ça m'arrive. Génial. Bien joué. Bon, attendez, je recadre ça. Donc, bah, on a fait deux Diablos. Bon, on n'a pas gagné, c'est pas très grave. On a découvert des choses intéressantes. On va faire du 6 sous, on a dit. Alors, 6 sous. Voyons. Il y a mon chien derrière, je sais pas si vous le voyez. Oh, coucou. Alors, gris... Ah bah c'est le même. I'm just Mike. C'est contre le premier qui on a joué, je crois, je sais plus. Alors, j'ai tour 1, tour 2, tour 3... Ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, je vais garder ça. Ouais, 4, 5, 2, c'est pas mal. C'est pas mal. On va dégager Agraba. Pour mettre une glace. Ça, j'ai mal pioché, moi. Hop, ok. Ok, un Robin. Je vais dégager Motonui pour jouer Lumière. Bon, il va peut-être me faire Babou, une connerie comme ça. Crochet, ok. À moi. Je vais dégager Jody Hops pour faire ceci. Crochet. Ok. Est-ce que je sacrifie lumière? Pas encore. Ah, il va me dégager. Il dégage les... Ah, il fait chier le Aladdin parce que quand il part à l'aventure, il dégage les objets. Je crois qu'on va le dégager. On va virer Picsou. On va mettre ça. On va enclencher ça pour lui mettre deux. On fait bagarre sur Aladdin. Salut Aladdin. Et je crois que je l'aurai avec les deux. Il va me dégager lumière, c'est pas très grave. Après j'ai charge avec Mulan. Je pense qu'après je vais mettre Simba.
Le bloc de glace, il est pas mal. Et par contre, j'ai mis le lieu à 3 là, dans la neige. Je sais plus, tempête de neige. Je sais plus le nom. Je l'ai pas, c'est bien dommage. Parce qu'il m'avait bien servi dans les... Ah bah le voilà. C'est camp d'hiver, aucun rapport. Donc je pense que je vais mettre camp d'hiver. Je pense que lui va aller sur camp d'hiver. Voilà. Je pense ensuite que ça, ça va faire ça. Que mon pauvre lumière va se suicider. Après, parce que ça va être Elsa qui va le dégager, je pense. Ah, je pense qu'on va faire ça. On va soigner lumière avec la glace. Et on va l'orer avec Sissou en mode Pavel. Voilà. Et je pense qu'on est bon parce que la Elsa est tape qu'à 1, donc je pense que j'ai bien fait. Bon, après, c'est toujours un acier, donc il peut nous faire des baboum, allumer les mèches et tout et tout. Ça, c'est chiant. Ok. Non, bah voilà, non, il l'a suicidé. C'était un suicide, tant pis. Oh, je crois que je vais en mettre un deuxième. Parce que ça a l'air de leur casser les pieds. On va en mettre un autre. C'est chiant que à chaque fois ils soignent, on s'en fout. Et j'ai pas assez, donc on va faire ça. Tant pis, j'ai pas ancré, mais... Camp d'hiver, j'aime bien ce lieu. J'aime beaucoup ce lieu-là. En plus, il a 8 de volonté, c'est plutôt cool. Ah non, il va me le dégager. Ah, il m'en dégage un. C'est pas très grave, je vais mettre la 6 sous sur l'autre. Ah non, il le fait pas, ok. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. 3. Dégager elle. Elle, je vais la mettre là. Et je vais l'ouvrir. Voilà. Ok, et on passe. Pour l'instant, ça va. Après, je vais mettre Simba, je pense. Enfin, depuis tout à l'heure, je le dis et je le mets pas. Mais après, ah, le décret, c'est pas cool, le décret. Faut que je mette 2 dommages à elle. Tant pis. C'est pas grave, elle a fait son job, elle a dégagé quelqu'un. Ok, il me dégage ce lieu. Ça marche, il m'en reste un. Alors, je vais faire glace à l'eau. Simba. On pioche. Je vole, ok. Mais on va faire Simba. Et on va mettre Simba dessus. Mais je pense qu'il va me le dégager, tant pis. Tant pis. Il va me redégager le lieu, mais c'est pas très grave. Parce que j'ai une glace et un bloc de glace pour soigner et mettre moins de force aux adversaires, donc c'est pas mal. Non ! Ah, je me rappelais pas de ce truc, cette action-là. C'est pas si mal. Bon. Ok. On est peut-être pas si bien que ça. Alors, bagarre. Bagarre, c'est pas mal. Je peux pas faire plusieurs choses. Non, je pense que je vais jouer elle. On va faire. Attends. Ah non, de toute façon, il me le tue. Charge sur lui. Voilà. Ça
toute façon, s'il décide de me la finir, il me la finira. Donc on va l'aurer avec elle. Ah, je peux pas la soigner. C'est pas grave. Les bagarres... Bagarres... Non, je vais le garder. Alors, il joue un Aladin. Oh non! Ah bah, il faut que je fasse bagarre sur le Aladin. Y a pas à chier, sinon il va me dégager mes objets. On va faire ça. Alors, il met offensif plus 2 à lui. Il me dégage le lieu. C'est pas bien grave. C'est à moi? Ou pas? C'est à moi. Ok, Judy Hop, ça va en encre. Alors, réfléchissons. Je pense qu'on va faire bloc de glace sur Aladin. Et on va faire bagarre. Voilà. Ensuite, je vole. Voilà. Elle est valorée. Elle, elle va taper. Elle. Voilà. De toute façon, il bute Mulan avec Gustave quand il veut. Donc, on va passer. Je vais pas bousiller ma glace à l'eau qui soigne. Elsa, ok, fais rien. Ben, je mets Triton. Ok. Je vais l'arrêter. Et je crois que je vais foutre. Je vais suicider Mulan. Mais au moins j'ai mis 4 à Gustave. Et Triton, on verra après. Triton, il va finir Gustave, je crois. Alors, ah, fait chier l'insaisissable, lui. Il va me dégager 6 sous. Ah, il va me dégager 6 sous. Oh, c'est bien ça. Ok, alors, réfléchissons. Bon, il va me dégager 6 sous. On va attendre, on va pas la faire l'aurait 6 sous. Voilà, j'ai dégagé ça. Et je vais rien faire. Je pense que c'est pas mal parce que le manoir de Picsou va prendre de l'or à chaque tour. Et tant que j'ai pas d'autres persos, je vais pas l'incliner. Ah non! J'avais oublié ce point de détail. Elsa, elle permet de faire ça. Merde. Ok. Et il remonte en main. Le Jafar qui casse les couilles. Ok, il met 4 au lieu. Ouais, ça craint, là. Il remet lui. Là, ça craint. C'était un bon tour. Bah, je crois qu'on va faire bagarre sur Elsa. Je vais lui mettre où est le pied. Je vais faire... Ou alors bagarre sur ces 3. Non, c'est 2, fait chier. On va faire bloc de glace sur lui. On va faire bagarre. Ok. Et voilà. Et donc là, il va m'achever mon lieu, peut-être pas. 4 et 2, 6. Ah si, forcément. Le gardien du trésor. D'accord. Il est combattant ce truc-là. 6-6. Ce personnage ne peut ni défier ni être envoyé à l'aventure à moins qu'il ne soit présent sur un lieu. D'accord. Oh bah avec ma pauvre Mulan. Je vais pas aller loin. De toute façon, ça sert à rien de la soigner. Bon, ils vont me la tuer. Ils vont me la tuer. Ouais, là, je suis mal. J'ai plus de cartes en main. Je suis à 16, mais il peut très bien remonter. Non, en plus, c'est une deuxième Elsa qui incline. C'est chaud.
Allez, voilà. Ok, bon. Je pense qu'il va faire ça à tout le monde, là. Pas si mal, ça. Elle est hors d'atteinte. Bah ouais, mais il va me la tuer. La Ariel, il va me la tuer. Ça fait chier. Tant pis. Il va me la tuer. Puis, purée, elle est bien, elle. Là, elle aura 5. Ok, mais le Bayou. Il va me la dégager. Il va me la dégager. Ok. Ok, bon, bah on est mal, hein. Il va me dégager tout le monde avec son gardien machin. Il me faudrait soyez prête là, mais je sais, je crois pas que je l'ai mise. Ah si, je l'ai mis une fois, je crois. Et j'ai un Stitch qui sert à rien. Il y a toutes des bonnes cartes qui arrivent, mais il va me les détruire à chaque fois avec son truc. Allez, suicide ton truc là. Ok. Un petit Jafar. Ah, on est mal, hein. On aurait dû gagner depuis longtemps, mais là, c'est compliqué. Les parties à rallonge comme ça m'énerve en plus. C'est casse-pied. Allez, Motonui. Ce qui sert à rien parce qu'il va me le tuer. Oh là là, c'est d'un long, ça m'agace. Tout ce que je mets, il me le détruit, ça me saoule grave. Ça m'énerve. Ah, il est à 8, lui. Oh, mais il va me le tuer aussi. 2, 5, 7. Bon, je crois que je vais concéder parce que j'ai pas soyez prête, je l'aurais pas. Ok. 5! Il est offensif plus 3. Oh la vache. Oh le crochet, toi. Soyez prête, allez! Bleu. Ouais, ok, il me rattrape, ok. Crochet. Mais il est où, mon soyez prête, là? C'est fou. Enfin, je peux même pas le jouer. Moi, je râle parce que j'ai pas soyez prête, mais je peux même pas le jouer. Super dingo! Super dingo, il va exploser qui? Bon, allez, on va concéder, les gars, ça me saoule. On va concéder et du coup, on va en faire une. Concédons et on en refait une. Que j'ai fait tomber. J'ai fait tomber un truc. Alors, est-ce qu'il me trouve quelqu'un? C'est long. Il n'y a personne.
Après, on a deux matchs à faire avec le Ambre, Acier, le Héros. Oh, je pense qu'on va pas gagner une seule partie. Pourtant, hors vidéo, j'en gagne. C'est quand même énorme. Non, oh, améthyste gris. C'est le même. Mais purée, on va se faire éclater. Bah, je vais garder ma main. Elle est très bien. Et joue en première. Alors, je vais dégager Elsa. Je vais jouer Mulan. Qui va m'exploser. Avec Allumons les mèches. Ou le décret de Triton, hein, bien sûr, comme tout à l'heure. Alors, il est ancré un crochet, donc il va jouer Triton ou... Ah non, pour jouer un crochet. Okay. Bon, cette fois, on ancre elle. Pour jouer Lumière. Et je le vois. Là, il va faire le décret, ou alors... comment allumer les mèches ou baboum sur lumière. D'accord. Bon, il les a pas en main, j'ai l'impression. Ok, je vais mettre. Je crois qu'on fait une 6 sous. Je vais dégager la glace à l'eau. Je sais pas si je fais bien, mais... pour jouer une 6 sous. Comme ça, on lui dégage crochet. On l'or avec les deux. Voilà. Bon, il est insaisissable, mais j'ai pas incliné 6 sous. Donc, est-ce que tu dégages Mulan ou Lumière? Je pense que tu vas dégager Lumière, ce serait plus intelligent. Et après, je te fais super goofy dans la face. Ok, Teb. Allez, Bouine Lumière. Moi, je te fais super goofy, on n'en parle plus. Voilà. À moi. Alors. Ou alors, je serai à 4. Après, je peux mettre Super Goofy. Bon, on va mettre Super Goofy, même s'il charge mon cul. Enfin, s'il va chercher le lieu, mais voilà. Il va charger le lieu de moins 2. Ok. Super gouf gouf. Après, ce serait bien que j'ai un lieu, comme ça je joue et Jimo Kings et un lieu. Ah bah non. Ah non, je peux pas l'ancrer la 6 sous, je suis con. Bon, bah on verra. On va attendre, sinon on joue une 6 sous. Alors, il me met la fée bleue et Robin des Bois, pardon. Il ancre un bayou. Et il met sur Teb. Et j'ai pas d'encre. J'ai pas d'encre, donc on va juste jouer. Ah non, je suis con. On va faire ça. Allez, ciao. Voilà. Et je crois que je vais garder mon Simba. Voilà. Et super bouffe. Il va aller taper le lieu et on est pas mal. Après, il me faudrait une encre pour mettre Jimo Kings. Il altère le gros Robin, ça c'est pas cool, mais il est pas insaisissable le gros Robin, donc pourquoi pas. Il va gagner de l'or en tuant Mulan. Donc je vais mettre Jimo Kings. Tant pis s'il n'y a pas de lieu. Hein.
totem, il gagne dès lors quand l'autre il défie. Là. Chaque fois qu'un personnage en bannit un autre, on gagne de l'or. Ah ouais, il fait chier Teb. Donc Teb, il va se prendre ça dans la gueule. Voilà. Je vais jouer. Je vais jouer Jim. Ah oui, mais je suis con. Pour jouer Jim, il faut que je dégage la salope. Et on joue Jim. Comme ça, s'il tue mon super machin, hop, je peux lui répondre en lui pétant la gueule. À part s'il rejoue un... Ah bah non, il peut pas jouer flat. Ah si, il faut qu'il ancre et il peut jouer flat son Robin Hood. Alors, il ancre une Elsa. Et est-ce qu'il joue un autre Robin? Ah non, pas lui, lui, je l'aime pas non plus. Oh, il est pas gentil. Aïe, ah, d'accord. D'accord, et ben moi je vais mettre ça. Je vais mettre Super Goof dessus. Je vais mettre Simba. Alors, je pense que Super Goof, dégage-le lui. Jim Hawkins, ta Robin. Ok, tu pioches, grâce à Robin. Je sais, je le connais, je l'ai 4 fois. Et je l'or à 2. Et je pense qu'on passe. Donc, avec son crochet, il va me dégager Jim. Il remet une Elsa qui casse les pieds. Il me fait chier avec ses Elsa, lui. Ok. Alors, tu tapes qui? Tu tapes mon lieu. Ou Jim? Tape Jim. Non, tu tapes lui. Bon, je vais finir avec les deux. Ok. Tu tapes Super Goof. Bon, c'est pas grave, ça fait ton job. Et donc ça, ça va dans ma réserve d'encre. Ok. Et c'est à moi. Je vais te finir avec celui que je veux. Ok, je mets ça. Je vais mettre... Bon, déjà, Simba... Il a... Et le petit Simba, il va là. Là, ça l'or. Là, ça l'or. Et bah si, il va l'ouvrir. Hein. Il peut pas me dégager les tout en même temps. Il l'or aussi, Jim. J'ai gagné, les gars. J'ai enfin gagné. Il est bien 6 sous, c'est pas la première fois que je gagne. Ah, il remet sa main, il cherche quoi? Des trucs pour dégager des lieux, peut-être. Ah, j'ai Big Ben. Il peut me filer résistance plus 1 à tout le monde. J'ai gagné, il a rien. Bon, bah c'est pas mal. Déjà, j'ai au moins une partie dans cette vidéo de remporter. Alors, on va finir avec 2 parties de mon deck Ambre-Acier. Le deck héros. On joue contre un ambre améthyste. Ok. Et je suis première. Ça marche. Alors, il me faudrait Philoctète. Je ne l'ai pas. Donc, on va dégager ça, 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 ça. On dégage tout. Allez, on dégage tout. Et on essaye de trouver Philoctète des tours 1, des tours 2. Déjà, j'ai un tour 1. Aladdin qu'on peut, ok. Alors, j'ai pas de Philoctète, c'est chiant. Ok, bon. Je pense que c'est... Il joue Ambre Améthyste. Il va aller vite. Donc, lui, je crois qu'il dégage. Ah, quoi que... Peut-être pas lui. Peut-être plus lui. Non, c'est la Ariel qui dégage. C'est la Ariel.
L'Ariel dégage et on va mettre le Aladdin à 1 qui est un 3. Ok. Alors, il ancre un chiot dalmatien et c'est tout. Donc, en tour 2, je pense que c'est pas mal. Je crois qu'on va. Il y a Alter 2. Ah non, défausser une carte lieu. On va le jouer en 3, c'est pas grave, on va ancrer le prince, on va jouer porciné. Et on va faire du lore avec notre ami Aladdin. Putain, je confonds Aladdin et Romain des Gaules. Ok, un chaud dalmatien. Je vais ancrer le petit Robin Hood pour jouer le gros Aladdin. Ou alors fracasser. Ah, c'est deux personnages, on va mettre Aladdin. Ok, et lui, il or. On est à 5, c'est pas mal. Bon, logiquement, avec son chiot, il va me dégager porciné, s'il est intelligent. Ouais, ok. C'est bien. Il fait chier porciné, déjà. Ok, il met un autre chiot. Alors, je pense que... Je pense qu'on va mettre Eric en encre. Qu'on va jouer en rempart notre cher Balou. On va, avec notre petit Aladdin, dégager ça. Et l'autre, il va l'aurait. Voilà. Et on passe. Alors, est-ce qu'on va remporter celle-là? Il joue combien de chiots? Il n'y a que ça. Ok. Oh, bah c'est un deck chiot. Ok. Alors, je vais dégager un chiot, je crois. Je vais ancrer Hercule. Je vais faire fracasser sur un chiot. Et je vais l'aurer avec tout le monde. Et je passe. Après, la mini, elle est pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 5 de force ou plus et bannissez-le. Mais il n'y en a pas, mais bon. C'est pas grave. Je peux la jouer quand même. Alors, il a dégagé mon rempart, mais je gagne 2 l'or. Tu me dégages Aladdin ou pas? Ok, tu me la dégages. Alors, je pense que ça, c'est cool. On va piocher. Ah, le gros Robin Hood qu'on peut mettre après, c'est bien ça. Je vais l'aurai avec Aladdin. Non, je ne bannis pas mon propre objet, merci. Pas fait la connerie de mettre oui, c'est déjà ça. Il me remet un chiot et s'il a 99 chiots, on est dans la merde. Il va falloir lui dégager du chiot. On va dégager Aladdin. On va mettre Robin. Je crois que qu'on va lui dégager ça. Voilà. Et hop. Oh putain, c'est un deck dalmatien. Il fait chier. Il en a combien? Il a que ça. 2, 3, 4. On va dégager les dalmatiens. Je peux mettre les deux, je crois que je vais faire ça. Ok, alors, lui va se suicider. Bon, déjà le Robin. Il va prendre deux.
lui suicide. Voilà. Bon, je sais pas si on va y arriver parce que s'il tape 99 chiots, on est dans la merde. Non mais il joue que des dalmatiens. C'est un truc de ouf. Ça veut dire qu'il y en a 5. Oh, je sais plus combien il y en a. Ouais, on peut. 2. En plus, ils sont à 3. Les dalmatiens, ils font chier. On va taper lui. Je crois que je l'ai. Je suis à 18. Il va être obligé. 19. Il va être obligé de me dégager quelqu'un, sinon je gagne, à part s'il a 99 chiots. Il a pas 99 chiots, les gars, donc logiquement, on gagne. Logiquement, on gagne. Ouais, on a gagné. Ok, je vais jouer Benja quand même, pour le fun. Non. Et je vais... piocher l'oré et je gagne, voilà, tout simplement. Bon, ben, on est à 2 victoires. On va en faire une petite dernière, ça va, la vidéo fait 1 heure. Une dernière avec notre deck héros. En plus, vous avez même pas vu le combo avec Philoctète. J'aimerais bien vous le montrer. Et puis après, on arrête, on en reste là pour la vidéo. Jaune, rouge, ambre, rubis, on est deuxième, c'est un joueur qui est premier, on va se faire ramasser. C'est certain. Bon, alors, on va garder un Robin. Ça, je crois que je garde ça. Ok, ok. Ah, on est deuxième en plus, alors il va falloir qu'on attaque. Si on est deuxième, je pense qu'on va se faire ramasser. J'aurais peut-être dû finir la vidéo à 1 heure, avec une seule partie du deck ambre acier. Tant pis, on va finir par une défaite. Alors il joue Cendrillon, en plus c'est un deck je sais pas quoi. Là, je crois que c'est la Cendrillon qui dégage. On va jouer ça. Pour piocher une carte. Ah, le Philoctète, ça c'est cool. Je crois qu'après on met porciné, je sais pas. Ou alors on met Robin. Faudrait que je mette. Bah, il va me dégager une chanson. Fais chier, putain. Ok, je vais dégager. Ariel. Pour mettre le petit Robin. Il joue rouge. Non, on va faire ça. Ouais, bagarre, ça dégage. Il a ça, il a la bête. Il soigne. Ok. Ouais, je crois que j'ai bien fait. Comme ça, je peux mettre mon Robin. Robin porciné. Après, Philoctète. Ok. Je vais dégager mon canard. Pour mettre... Robin, porciné. Après, je mets Philoctète. Après, j'incline le grand Robin. Je pense. Hein. Alors, il fait quoi? Il fait rien. Je vais dégager Raya. Pour mettre Philoctète. Je vais juste prendre 2 avec porciné. Il va me le dégager, c'est sûr. Avec sa bête. Soit il sacrifie sa bête. Ah non, il va jouer réponse. Ah oui, il va soigner sa bête.
Et du coup, il va taper cette fois Porcinet. Voilà. Allez, ciao Porcinet. Mais c'est pas bien grave parce que le Robin Alter arrive. Je vais ancrer Aladdin pour altérer mon Robin Hood. Du coup, je gagne un lore parce que c'est un héros. Avec le Philoctète. Et je vais gagner de l'or. Parce que je dégage la bête. Voilà. Et c'est chiant, je peux pas le soigner. C'est pas le Dexissou. Et j'ai pas la réponse, moi. Je l'ai jamais eu. C'est bien dommage. Parce que la réponse dans ce deck, ça pourrait être vraiment cool. Parce que en plus, un héros, c'est un héros. Ouais, mais je l'ai pas eu. Allez, il ancre la mer Gothel. Moi, je fais avec les cartes que j'ai, hein, mes decks. Donc, voilà. Il ancre la mer Gothel. Ah, n'oublions pas qu'il joue rouge, il peut faire soyez prête à tout moment. Bon, ok, il remet une bête que je peux lui dégager. Faut pas que j'incline Robin, du coup. Elle fait quoi, la petite Blanche-Neige? Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et retirer jusqu'à 2 jetons dommage. Ah ouais, elle a soigné de 2. Ah, c'est pas mal ça, la Blanche-Neige. Je l'ai, je pense. Je crois qu'on va mettre lui en rempart. Voilà. C'est un héros, donc j'ai gagné un. Lui, il va dégager... Et je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais garder mon autre Philoctète. Alors, il ancre une mer Gothel. Pour faire. Médusa qui dégage Philoctète. Oh la saleté. C'est pas grave, j'en ai un autre. J'ai bien fait. J'ai bien fait de pas le jouer. Pas le jouer avant. Alors, t'es obligé de taper le prince là. D'accord, tu l'ors. Tu l'ors ou pas? Ah, tu sais que je vais la taper avec Robin, donc tu vas pas l'aurier. T'as bien fait. T'as bien fait. Ok. Je crois que je vais faire fracasser. Ouais, ça va être le play. Hein. Fracasser sur ça. Et mon Robin va le finir. Voilà. Et je pense qu'il l'aura, lui. Hein. Bon, là, elle va me dégager ça, et lui va me tuer un Robin. Je pense que ça va être ça, le play. Je pense qu'on n'a plus de borne, à part Philoctète, au tour prochain. Mais sachant qu'il a peut-être soyez prête. C'est peut-être pas plus mal. Il doit pas avoir Philoctète. Il doit pas avoir soyez prête parce qu'il me détruit mon board. Parce qu'il a pas ancré. Hein. Donc là je pioche. Intéressant. L'Ariel. Méloman 7. Une 4-3-3 qu'il aura 2. Ok. Ok. Un personnage avec des fausses. Ah, ça fait chier, il va la rejouer. Ah bah non, il peut pas pour l'instant. Elle coûte 3 ou 4? Non, elle coûte 3. Je pense que je mets Philoctète. Ah, est-ce que je le mets maintenant? Si, on verra. S'il fait soyez prête. On verra bien. Peut-être oui, peut-être bien que non. Alors, tu vas faire Philoctète?
Tu vas faire Soyez prête ou pas, grand? Tu vas l'aurer à 2. Non, à 1 et à 2. Ouais. Et à 2. Ah, t'es à 16. Tu fais chier. Faut que je te dégage. Oh non, à mon avis, on a perdu, les gars. Mais on a perdu pas beaucoup. 2 et 2. C'est impossible de lui dégager tout le monde. Ouais, il a gagné. Je crois que je vais quand même jouer ça. Ça, je prends un lore. C'est pas un... Putain, c'est pas un héros! Je me fatigue moi-même. Eh ben, tant pis. Et je lui dis où elle plaît parce que je peux rien faire. Allez, il a gagné. Bon, après, c'était serré. Hein. 17-16. J'avais bien fait ma partie. C'est dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est une petite défaite. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vous avez vu le début de mes entraînements avec mes nouveaux decks que j'essaye de faire tourner. Peut-être que je les changerai si j'arrive à avoir d'autres cartes. Donc voilà, j'espère dans tous les cas, les gars, que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors peut-être sur Pixelborn, je sais pas trop. Sachant que ça se termine avant le 16 juin. On verra si on a le temps de faire d'autres vidéos avec ce super logiciel. Voilà, bon bah écoutez, comme d'hab, hein, laissez des petits pouces, commentez les vidéos et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça fait très plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, à bientôt les gars, salut.